Bonjour YouTube, je vous ai pas oublié, hein. C'est juste que je prends mes potions comme un débile. Donc alors le programme d'aujourd'hui, prendre de l'XP, aller chercher des mimiques, aller chercher des le médaillon de l'arbre sacré, peut-être refaire ses points de stat, on va peut-être se restat en vrai, parce que niveau invoque c'est la merde, niveau arme c'est la merde, on fait pas de dégâts, c'est tout très compliqué là. Moi c'est un assassin, c'est moi ils sont deux. Ah c'est moi il y a plein de trucs. Ok ça va. C'est un truc de problème. Il y a plein de pots, c'est ça le problème. Je me souviens. Ça va être ça. Allez salut. Ennemi abattu, cendre de faïence, tout risque. Ok. Juste ça? Juste ça? Okay, quelques runes quand même, mais pas fou quoi. Bon, bah dommage. Il doit y avoir un autre boss dans ce truc. Mais bon, la flemme de chercher en soi. Avec tous ces pièges de merde. On verra plus tard comment ça se goupille. Donc on est par ici. Le suicide n'est pas prévu, hein. C'est vraiment. C'était vraiment pas du tout ce que je voulais faire là, c'est juste que je l'ai chopé sur la route. Donc j'étais en mode bon, bien joué. Et là. Ok, là on peut jump pour finir par là. Tombe des héros d'Anthusa. Si on peut mettre un truc de fight parce qu'il y en a forcément un. Alors du coup oui si je veux monter mais c'est pas forcément le but. Oh shit, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je vais avancer dans la rivière. Et du coup, ah on est déjà là. Ok. Donc il y avait un chemin par là. Ah ok, c'est bon. Tombe auxiliaire, donc c'est ça, on l'a faite. Là c'est la tombe qu'on n'a pas réussi à faire, donc c'est parfait. Le boss dragon, là ici, on peut le tomber, mais ça va être chiant. Tout simplement. Il y a une mine ici. Toute cette zone-là, j'ai pas exploré. Soit on peut s'aller s'explorer cette zone. Avec celle-ci en vrai, c'est des zones que je suis passé assez vite. Soit on va explorer de ce côté, mais on a 10 000 chances de mourir. Soit on se motive à aller explorer Khalid, mais pareil, on va avoir 10 milliards de chances de mourir. Galerie cristalline de celle-là. Il y a un boss que j'ai pas réussi à passer ici. Peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais réussir à le passer, je sais pas. Je sais pas. On peut aller voir un truc, si on peut pas level up là, parce qu'on a des runes de héros, des trucs comme ça, pour un petit level. Et peut-être aller se restat, mais je suis même pas sûr. Parce qu'en vrai, je sais même pas quel invoque serait bien. C'est le problème. Ah oui, on a plus la meuf qui améliore en plus. Putain, quel enfer. Et pierre de forge 7 là, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Croc de limier, je peux pas. Ça, je peux pas. Ça, je peux, mais je vais être limité dans le temps. Il me faut pierre de forge 4. Je peux aller en acheter. Oui, mais pareil, je l'utilise pas en fait, c'est ça qui fait chier. On peut partir sur deux sabres courbes, j'ai vu qu'il y en a qui utilisaient ça. Et ça a l'air fort. Mais faut que je retrouve le build, comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils sont stats, etc. etc. C'est ça qui est intéressant en soi. Non. Alors du coup, fais voir si je te vends des trucs. 3000, 2008, ok, c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Ah oui, c'est vrai que j'ai les. Au pire.
Je peux vendre des trucs comme ça et prendre quelques levels. Au pire, je peux aller voir la vieille dame aussi. Et celle qui me fait des câlins est partie aussi. Ouais, mais en fait, je me suis niqué quand j'ai accepté de continuer l'histoire. C'est ça le problème. Je pense qu'il va falloir que je refasse une save plus simple. Ou du coup, je jouerai pas Katana. Parce que là, je pense que je peux finir le jeu hein, normalement, juste si je fais le jeu normal. Mais là, faire Milena et tout, ça me paraît complexe et compromis. Avec cette save. Mais vraiment. Parce qu'en gros, là, j'aurais dû faire toutes les mini-quêtes secondaires, etc. Avant d'arriver là, en fait. Parce que je peux plus upgrade. Mais comment ça s'appelle? Je peux plus upgrade, mais oui, non, ça sert à rien. Pire de fois, je tombe 4, on s'en fout. Attends, je peux deux. Oui. Je regarde ce qu'il y a. Je prends des trucs, sait-on jamais. Ça, c'est la magie. Non, je ferai un truc magie guerrier là. Un build. J'ai envie de tester aussi un build comme ça. Mais ce sera pas tout de suite. Ce sera pas tout de suite du tout. Pas grand chose d'intéressant. Rien. Je vais acheter tous les trucs intéressants, c'est fou. Donc ça c'est bon. Pâte, mais rien à m'offrir. 3. Ceux, mais ils ont rien. Attends, je comprends pas la. La dernière perle là, que j'ai donnée, elle m'a pas donné une bouteille. Une boutique sympa. Bon, bah rip. Ah si, ça a dû. Bah, ça a dû changer des trucs ici. Pierre de forge sombre, 8. Pierre de forge sombre, 7. Ça, c'est cool par contre. Bah 16 000. Bah, en vrai, go la prendre. Je me disais, ça a dû changer des trucs. Mais oui. Du coup, on peut améliorer notre produit lumière. Soit c'est pas dégueu. Normalement c'était 7, hein, c'est ça? De mémoire c'était 7 qu'il me fallait. Si c'est pas 7, je vais être triste. Je vais être triste d'avoir perdu 16 000 âmes comme ça. Bon, c'est pas, en vrai ça sera toujours utile pour New Game Plus ou un truc comme ça, mais. Oui, du coup, attends, la meuf des deux doigts, c'est toi qu'on veut. What use do you have for me? I am a finger reader. I will remain. Do as you please. Take. Les doigts, ils sont comme ça. Acquérir le pouvoir des souvenirs. Alors attends. Puissance d'attaque, on s'en fout. Ça c'est brûle, on s'en fout. Dragon griffé, on s'en fout. La hache de Godric. On s'en fiche en soi. Je peux revendre hein, je peux revendre ça. Hein. Ça aurait été bien, mais plaid d'intel. Pas fou. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui m'intéresse en soi. Épée maudite, espadon courbé, pourquoi pas en soi. Accumule des saignements, ouais, mais il me faut 17 en ésotérisme, donc c'est pas fou. Après, je peux me restat et prendre un autre truc, hein. C'est pas perdu en soi. J'ai juste envie de recommencer, en fait, une game. Parce que là, en fait, je me suis niqué en brûlant tout, puisque je peux plus améliorer mes âmes, je peux plus rien faire. On va aller améliorer l'espadon, et puis fuck, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Et on va vendre toutes les âmes, on s'en fout. Take a look around, don't worry. I'll continue, which is why I need your help.
His roots are sown, he won't last, but his shackles of his high time, he... Ah non, c'est bon, on peut l'améliorer encore. Muguet mortifère 8. En fait, faut que je regarde les trucs qu'il me faut. Peut-être qu'une Rostad serait peut-être logique. Alors, du coup, si je peux faire tout ça. Le sorcier, on s'en fout. L'esprit, on s'en fout. Ah d'accord, c'est des cendres. Des petites vigeurs. Ouais, d'accord, ok, c'est pas fou. C'est un cahier, disciple ancestral. Ok. Elle est plus 7 en ma vie spirituelle, donc c'est pas dégueu. Mm-hmm. Alors attendez, peut-être que. D'un côté, j'ai envie de faire. Et où le lignée 2560, j'ai combien 2200. Alors, je sais pas ce que je peux te vendre, frérot. Disciple à démence accumulée. C'est des trucs que j'utilise jamais. Ça. C'est abusé tout ce que j'utilise pas. Ça me fout le seum de pas utiliser tout ça. Toute la partie craft, je m'en suis foutu. Durant tout le jeu. Je m'en suis totalement foutu. Faut qu'on vende deux trucs, on va vendre ça. Ouais, non, c'est bon. Non. Renforcer une arme. Le croc du limier, putain. J'ai trop du mal. Croc du limier. Oui. Suite. Oh, j'ai assez aussi pour ça. Bah frérot. Oui. Je sais pas si j'ai assez, je pense que c'est 2008. Putain. Si tu me dis que c'est pas assez, je t'insulte. C'est pas assez, il faut encore. Oui. Et là, le plus 9 par an, je l'aurais pas. Ok. Ah, mais là, mon croc d'humilier, il va être pas mal du coup. C'est rien, c'est oh. Mais what the fuck, il arrive. Contre le vent. Des crébins du pays de Dain. Frérot, frérot, pourquoi est-ce que tu viens, tu savais et tu t'en vas. Le mec il vient, il balance son resub. Merci à toi Marcel le boulanger. Magnifique resub qui me surprend comme d'habitude. Le mec il me fume. Il passe comme ça une fois de temps en temps, il balance son sub et après il se barre. Bien joué frérot. Bien joué, bien joué. J'espère que ça va en tout cas. Des gros bisous à toi. Ah, mon cœur. À chaque fois, mon cœur n'est pas prêt pour cette animation vu que je l'ai jamais. C'est trop marrant. Du coup, renforcer une arme, non, on s'en fout. Duplication, non, on s'en fout. Renforcer une arme, on s'en fout pas. Attends. J'ai plus ce que je voulais faire, centre de guerre, oui, c'est ça. Est-ce qu'on veut mettre de la magie là-dessus? Je suis même pas sûr. Laisser le saignement, ça peut être bien. Quoique des dégâts de froid pourraient être bien aussi. Parce que là, le problème qu'on va avoir, c'est les mobs qu'il faut qu'on fasse là, actuellement, ils craignent pas le saignement. Donc au pire, on peut mettre autre chose. Glace. Je perds en dégâts, je scale en un tel, on s'en fout. Je pense que ça peut être une idée, on fout des dégâts de glace. Là-dessus, et c'est tout, hein. On y va. Et on y va, on les éclate. J'y retourne et on les éclate. De toute façon, parce que l'autre, je pourrais pas le buff.
pièce ça, j'en prends. Même du coup, faut que j'améliore l'autre. Je perds double chi katana. J'en prends un de glace et un de machin. Mais du coup, je peux pas tester. Celle de guerre. Attends. On va essayer de faire ça. Un de glace, un de saignement. Au pire. Et c'est ça comme ça au moins. Si je dois l'améliorer, il va me falloir des âmes en soi. Le truc, c'est que je suis même pas sûr d'avoir assez de pierres de forge. Normalement, si. Hein. Non, les 3, les 4, il faudra que je les achète. En tous les cas, il faudra que je farme pour l'améliorer le Chikatana sanguin si je veux. Je suis chaud de tester du coup. Mais du coup, il faudra tester là où je suis plus ou moins mort. Et peut-être qu'on va aller améliorer après les tombes des héros d'argent. Peut-être qu'après on va aller améliorer les autres. Ça pourrait être pas mal. Et du coup, je sais pas ce qu'ils craignent le boss là qui a l'autre partie du truc de Malenia. Je sais pas du tout ce qu'il craint. Tac. Et il sera en magique. What the fuck? Attendez, je vérifie un truc, parce que là ça me paraît bizarre. Zone de guerre, tac. Chiketana de glace. Ça c'est centre de guerre espation de Kaira, gravité. Attendez. Non, alors ça on s'en fout. Masse dégâts sacrés, on s'en fiche. Dégâts sacrés, on s'en fout. Les dégâts de foudre contre les dragons, c'est bien. Voilà. Là, on s'en fiche. Magie, glace, ok. Ah, donc là, on peut devenir un Uchigatana de glace qui est bien mieux. Coup en PC 13. T'en fais voir. Ah oui, t'as la gravité. Ok. Ok, ok. Du coup, on va voir ce qu'il y a d'autre. Est-ce que c'est pas bon? Donc sa glace, c'est pas ce qu'il nous faut ici. Sans détermination. Lame tempête. C'est un truc de vent. Ouais, c'est pas fou. Ça a l'air d'être pas mal, ça. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Mandorage, pied de mon orageux, pareil, on peut se mettre en glace. D'accord. C'est des dégâts de vent, j'ai l'impression. C'est pas des dégâts de glace. Ça, c'est quoi? C'est cri bestial, stock répété, cri barbare, résilience. C'est un buff, ok, très bien. On teste. Attendez YouTube, je fais mon choix et je reviens. C'est vrai que là c'est beaucoup de setup depuis tout à l'heure, je suis désolé. Je suis en train de me motiver à essayer de faire des trucs. Je suis en train de me motiver à essayer d'avoir un meilleur stuff. Là, dégage. On va essayer de les tuer, mais je promets rien. Laisse-moi mourir 3-4 fois contre eux là et puis après. Vas-y, nique-toi. Ça va. Ça va. Ah oui, d'accord. Attends, faut que j'arrive à leur mettre un coup. Je vais juste voir. En fait, je vais essayer d'appliquer la congélation sur eux. Pour voir si ça fait des dégâts. Et si ça fait des dégâts, je suis content. Et je peux les tuer. Si ça fait pas de dégâts, je me casse.
Go. SVP. Vas-y, dégage de là. C'est bon, je rigolais. Laisse-moi tranquille. J'ai rien qui fait des dégâts de congélation à part... Un HP. Ok, en vrai ça passe. Hein. En vrai ça passe, sachant que l'autre j'ai mis 1000 life presque. Faut juste que je refasse des trucs comme ça et c'était pas mal. J'ai réussi à lui mettre un critique into dégâts de congélation. Dégâts de congélation il a pas apprécié. Hein. Comparé au saignement il a vraiment pas apprécié. Et du coup double lame Uchigatana plus congélation. Pour être très fort. Je suis con, je suis pas invoqué. C'est chaud, j'invoque ou je vais me faire foutre? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Les mid-boss, faut juste gérer les agros. Non mais ils me cassent les couilles. Ils me cassent les couilles. C'est la première fois que je galère sur des boss de donjon comme ça là. Putain. Casse les couilles. J'ai vraiment pas la meilleure des invocations. Je pense qu'il va falloir que je... Qu'on aille en chercher une meilleure et qu'on l'améliore. Donc je peux. Mais il va falloir qu'on ait des âmes pour ça. Il va falloir qu'on farme. Chier. Ah, tu me saoules. Laisse-moi tranquille. T'inquiète, là, je suis à 2 minutes de dire. Je suis à 2-3 morts de dire Guaram. Et d'Altef 4. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Fils de pute. Mal, je joue mal, je suis un animal. Salut.
du vent. C'est la merde. Ouais, par contre, j'étais en train de heal STP, si tu veux me respecter. On va faire un truc. On va essayer avec le creux du lignée après. Je récupère mes âmes, je meurs et puis c'est bon. Enfin, je réessaye, mais. Comme ça, je connais un peu leur pattern. J'arrive pas à le mettre le dégât. Ouais, le dégât sauté, j'ai touché les deux, mais je me prends deux coups en échange. Ah, celui que je joue. Laisse-moi tranquille, putain. En fait, j'aimerais bien avoir l'attaque de glace, mais là, c'est les armes que j'ai pas. Ils ont tous les doubles. J'en mets quelques dégâts avec ça, mais c'est pas non plus. Je vais voir les. Oh, mais si, tu me casses, tu vois. On va essayer avec le croc du limier en vrai. Peut-être que ce serait mieux. Parce que tout à l'heure, on est bien arrivé avec le croc du limier, là, on l'a amélioré deux fois. Il y a moyen que ça se passe bien. Sinon, ouais, dans le pire des cas, on va tout restat. On va chercher une meilleure invoque. On va chercher des vraies armes. On les améliore, donc on va refarm à fond. Ça nous prend deux jours. Mais derrière, on éclate tout et on finit le jeu correctement. C'est au choix. Par contre, c'est moi, je vais me faire pourrir par... Attendez. J'ai pas le croc, ici là. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Merci d'aller te faire foutre. Merci. J'ai plus de vie à cause de... Putain. Ils abusent. Ouais. Ouais, je sais que tu vas faire ça. Merde. Donc, je mets des gros dégâts quand même. Il a tué mon allié, mais j'ai tué le sien. Ah, ça s'est bien passé. On récupère notre vie maintenant. Fais chier. Attendez. Avec son pli, il casse vraiment les couilles. Hein. Il me casse les couilles. Ah, il me casse les couilles. J'avais pas équipé les potions de mana, mais limite, faudrait que je fasse tout aux potions de vie. Hein. Parce que j'aurais même pas le temps de mettre mes combos en fait. Mais par contre, je l'ai éclaté le premier. Après, en vrai, sinon, ce que je peux faire, c'est éclater le premier, m'en battre les couilles et.
aller vous faire foutre avec vos flèches. SVP. Éclater le premier et puis tout simplement faire le bouclier et puis après m'occuper du l'autre. Oh non mais ça par contre faut que j'arrête de la prendre. Après c'est une question de dégâts qu'il faut pas que je prenne avec lui en fait. Là ça se met moins bien. Les deux ils me font même attaque quoi. Je passe ma vie à me... ça me casse les couilles. Mais putain, la range que t'as bâtard. Please, prends-toi un... Tu vas te prendre un critique, je te préviens. Que j'ai sur CVC. C'est facile là, le bâtard. Là par contre j'ai pas de chat. Je me suis ouvert. Oh là là. Ouais, mais là le problème c'est que j'ai 2 HP quoi en fait. Lui j'ai l'impression qu'il devient plus agressif contre son pote il est maroche. La switch avec la flèche du bas. Switch quoi? La potion? Oui, non, mais je l'ai déjà. En fait, c'est juste que je l'avais pas équipé tout à l'heure. La potion, je l'avais pas équipé tout à l'heure. Bon, en fait, je sens que je peux les passer, c'est pour ça que ça me fait chier. Je serais tellement heureux quand je les aurais passés. C'est tout. C'est juste que je l'avais pas équipé, du coup, j'ai dû aller à la bind et tout pendant le fight parce que je suis un petit animal, mais sinon, ça se passe bien. Invoque ça. Ok, on part à gauche. Voilà, on l'esquive pas, comme d'hab. Va te faire foutre, putain. Faut que j'attende qu'il finisse ses combos là, avant de lui mettre dans la bouche. Juste un combo, ça lui met tellement cher. Merde. Ah, c'est fini. Juste un combo là, R2, L2, ça fait tellement mal. Oui, c'est vrai que putain, je vous ai pas mis les. Je vous ai pas la manette, wesh. Ah oui, parce que je suis pas sur la bonne scène. Bon, c'est pas grave. J'ai envie d'y croire. C'est un travail de merde, mais faut vraiment qu'on arrête de prendre la première auto là. Avec sa lance de merde là. On l'esquive. Voilà. Tout va bien se passer. Saute. Fuis. C'est ça, il fait 2.
je suis mort comme un con parce que j'ai sauté dans son truc. Okay. En vrai, franchement, j'étais pas si mal. Hein. J'arrive de mieux en mieux à dodge. En fait, ça, la méduse, elle me permet de tempo un peu sur l'autre. Et normalement, ça passe. Hein. Non, il y a un univers dans lequel ça passe. Cet univers, il est pas très loin. Par contre, comment j'espère que je vais avoir une récompense de ouf. Si j'ai de la merde, comment je vais péter un câble? Bah oui, mais je me suis fait attaquer à côté. C'est pour ça aussi. Qu'est-ce que... On va jouer à LOL, je crois. Ah oh, putain, j'en ai ras le cul. Putain, j'en ai ras le cul. Motivation. Non, mais ça va passer, ça va passer, ça va passer. Faut que je me convainque. Faut que je me convainque moi-même. Et normalement, ça devrait aller. Allez, let's go. Ok, let's go. Papa la papa. Papa la papa. Non, je suis dans la tombe d'Azuric ou je sais pas quoi là, d'Ozaric, d'Olaric, je sais plus. Et merde, putain, j'ai oublié de récupérer mes âmes une fois, c'est terminé. Et là, ça va, j'ai eu un très bon passing en soi. C'est très bien passé. Shit. J'ai pas tué son pote avant qu'il tue le mien. Il a pas tué le mien, ça va. Et je m'empale, hein. À chaque fois je saute et je m'empale dessus. Hein. Franchement, c'est abusé. Okay. J'ai 8 potions. J'ai 7 potions. J'ai plus de potions. Je suis mort. C'est potion. T'as mis de life là vraiment? Fais chier. C'est vrai que lui c'est en ligne droite. Je me confonds à chaque fois avec l'autre. Ouais, si je mets juste des combos, normalement il meurt. Allez, ça passe. Bullshit pas et ça passe. Double machin, double queue, ok. Ça passe, putain de fils de pute. Ça passe. Espadon d'Ordovis, Home H du Creuset, tool de équipement du Creuset. Putain, j'en peux plus. Vous savez que depuis hier soir, je galère sur ces fils de pute. Attends, juste un truc. Est-ce que je peux mettre l'équipement du creuset SVP? Est-ce que je peux foutre l'équipement du creuset? C'est tellement lourd. Ah, plus j'ai ici. Bon, je suis en fat roll. Mais par contre, stylé.
Stylé de ouf. C'est quoi l'espadon du coup? Là je suis content. Je suis content. L'espadon. On hésite, c'est laquelle? Espadon d'Ordovis. Ah, il est stylé. Le set d'armure est stylé quand même. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Et ben voilà, très heureux. Mais du coup, peut-être qu'on peut passer. On est combien? 28 000 âmes. Ah, c'est dommage parce qu'il nous en manque beaucoup là. Après, là, on peut peut-être aller s'améliorer le Shigatana et passer sur double Shigatana ou Ristat et aller chercher d'autres armes. Putain, je sais pas quoi faire. Ah, c'est mon problème là, c'est que je sais pas trop quoi faire. Je vais voir ce que je peux prendre. On va prendre le truc du chat. Bien. Le truc du chat. Est-ce que celui que j'avais était pas mieux? Un peu, mais un peu plus lourd aussi. Ça c'était bien mieux, on va les garder du coup. Oui, tout ce que j'ai à l'homme en écaille est bien mieux que le reste. Bah lui du coup est moins lourd, mais dis quoi? Armure imprégnée de l'énergie creusée de la vie. Au fil du temps, la forme du meridien. Ok, on s'en fout. Pas très intéressant. Pareil, c'est plus lourd, mais c'est mieux. Je suis en fat troll? Non, ça va. Par contre, oui, du coup, je vais mettre cette tête-là. J'ai le droit de pas être en fat troll encore ou pas? Je suis pas en fat troll même avec ça. J'ai toute l'armure du dragon, je suis pas en fat troll, parfait. Même avec ça? Stylé. Oh, l'armure de Linden est meilleure. Sérieux? Attendez. Ah, c'est que le haut, j'ai que le haut. J'ai pas le. C'est les chevaliers de Leiden qui me le donnent. De Leiden. Leiden. Je regarde ce qu'il y a. Bon, let's go. Basile, si tu veux faire une game de LoL, pourquoi pas. Je suis plutôt chaud maintenant. Dis-moi juste quand t'as fini, je sais pas si t'es encore là. Putain, je vais t'envoyer un message, ce sera plus simple. Mais on va garder cet équipement et je pense qu'on va partir avec. En vrai, double lame pourrait être bien, mais je sais pas jouer avec. En fait, ça le problème, c'est que ça a l'air d'être très bien, mais il faut savoir jouer avec, c'est tout. Et tu perds un peu en dégâts. Là où j'avoue que le produit limier, moi je suis supra fan. Hein. J'avoue que le produit limier, certes, tu peux pas lui mettre d'enchantement, mais putain, les dégâts qu'il nous fait. Ouais, je suis en fat troll si j'équipe. Fais chier. C'est pas grave. Ok. Donc du coup, on a fait ça, c'est bien. On a 28 000 âmes. Donc le problème, c'est... Il faut qu'on farme 12 000 ou 15 000. Et quel meilleur endroit pour farmer que... La capitale. Mais ouais, je pense qu'on va faire ça. On va se faire le petit. Je faisais un Elden en t'attendant, mais le son du jeu va beaucoup plus fort. Non, mais t'inquiète. Attends, je vais farmer un niveau et après on va faire du. Parce que là, je dois farmer un niveau. Là, c'est j'ai pas le choix. C'est que 28 000, j'ai pas envie de les perdre et j'ai pas envie de me faire chier à. Aller garder sur moi, avoir peur de mourir à n'importe quel moment. Donc. Tout simplement. Là-haut.
Là, je suis en fat roll à cause de mon équipement là, vraiment. Ok, ouais, faut juste que je descende un peu. Là, on est à combien? C'est 4. 3,2. Ouais, comme ça, c'est bien. Ok, comme ça, je suis pas en fat roll, mais avec l'espadon de l'infini. C'est pas mal. L'assassin, faut qu'on le défonce sans qu'il nous tue, ce petit. Voilà. 31 000. On était à combien? On était à 28 000, c'est ça? Oui, attends, on va pas monter vite là. Si on gagne presque 10 000. Je sais plus comment est-ce qu'on faisait pour gagner 10 000 parce que j'ai oublié des ennemis. Mais vas-y, Osef, c'est pas grave. On va pas s'emmerder à tout refaire à chaque fois. Il faut qu'on en ait combien? 30. Faut que je fasse 3-4 fois. Enfin, 3 fois, je pense, et c'est bon. 49 000, ouais. Je fasse encore 2 fois, normalement, c'est bon. Zone de forme de l'infini. Ciao. Aucune raison de ne pas grid les potions. Ciao. C'est ce qui me semblait qu'il allait me défoncer un moment si je faisais n'importe quoi. Surtout ça, putain. Heureusement que j'ai pris de l'XP hein, et j'ai pris de la butard. Sinon, ça aurait été bien la merde. 46 000. Et j'ai pile assez. Parfait. Voilà, donc si tu cherches une zone pour level up, ici, c'est la vie. Voilà, j'ai fait deux fois le truc, j'ai récupéré ce qu'il me fallait. Parfait. Et encore, j'ai pas l'item monté de niveau. Mais du coup, maintenant que j'ai pris augmentant d'ex, sans toujours. Pire, je pourrais refaire après derrière. Est-ce que j'augmente l'esprit ou pas? L'esprit, ça me fait passer à combien? J'arrive pas à voir. 77, ça changera pas grand chose. Hein. Quoique, attends. En PC 88, 81, 89, 104, 113, ouais. Soit j'augmente un peu ma force, soit j'augmente encore ma dex. Je pense que j'augmente ma dex jusqu'à 60, ça va être l'objectif. Augmenter mon truc jusqu'à 60, et puis voilà. Mais du coup, attends, je suis désolé, hein. On va y aller sur LoL, faut juste que je check un truc. Tac tac tac, non pas là. Là là, putain cette merde. Église de l'éclipse. Je crois que c'est là. Parce que j'ai laissé un boss là, qui la dernière fois m'a éclaté. Et j'ai envie de tester si avec mon arme améliorée plus mes quelques niveaux. Enfin en vrai j'ai dû prendre deux niveaux depuis. Pas grand chose, il y a moyen que ça passe. Je sais plus où je suis, putain. Je sais plus ce que je dois faire. C'est par là, gauche, et après on court. C'est ça. Et après on court, on se raccroche à la vie. Pas par là. Par là, c'est ça. Ok, j'ai. Tac.
Salut, un plaisir. Salut, j'espère que vous allez bien. Je fais que passer, hein. Vous en faites pas pour moi, vraiment. Je fais que passer. Je prends des dégâts pour rien, vraiment. Déjà, j'arrive à tuer les deux, c'est déjà pas mal. Les dégâts de froid sont peut-être pas les meilleurs en soi. J'ai envie de retest. Parce que j'ai réussi à en tuer un assez vite, mais l'autre j'ai pris des dégâts inutiles. Ils font mal, hein. Je crois qu'il avait un buff sur lui. Il avait l'air d'avoir un buff sur lui ou un truc. Tac tac. Juste par là. Mec, tu sais le nombre de boss que j'ai laissé de côté comme c'est optionnel. Parce que je me suis dit je les ferai plus tard. Mais après je sais que je peux, même en revendant les âmes là, je peux avoir plein de level en vrai. Si c'est la merde, je peux faire ça, hein. Je me fais même pas chier. J'améliore de ouf la force, la dext. Comme ça on est pas mal. Ils font chier à me mettre des dégâts pour rien. C'est chiant. Le boss a pris sa part aussi. Mon invoque est pas morte encore. Putain, ouais. Ok. Ça, je retenterai plus tard. C'est pas grave. Tant pis. YouTube, des bisous. On vous aime très fort. On n'a pas fait grand chose encore dans cet épisode, mais ça va être vraiment des épisodes où je vais explorer plus que je vais faire avancer l'histoire. On a quand même bien avancé la dernière fois. Et puis voilà. Prenez soin de vous, abonnez-vous. Ciao, ciao.